c'est très très bien. Alors on a fait un début de trot en longe. Tu te filmes en même temps. Et puis, non, puis je montre. Et il a fait des slaloms ici, des deux côtés. Et puis après on a fait tous les deux du trot en longe. Et même un petit peu tout seul. Prochaine étape, associer direction et le trot. Trot enlevé. Est-ce que t'as mal aux jambes? Merci Larry. Non, j'ai mal au cou. On dit merci Larry qui dort déjà. Merci Larry. Ouais, tu vois, moi qui suis jamais monté à cheval ou quoi, enfin ça a jamais été mon truc, ben là c'est un peu une première et c'est vraiment chaud hein. Et en fait c'est encore plus chaud je pense quand tu fais un peu de moto, parce que tu te rends compte que t'es vraiment sur un animal, sur un être vivant, et notamment quand tu dois changer d'allure, tu sais. Sur une moto, t'accélères et le truc il t'obéit. Là sur le cheval, faut vraiment que tu lui demandes. Et le truc de ouf aussi, et ça c'est une de mes grandes faiblesses, c'est qu'il faut vraiment avoir de la conviction, faut être ferme avec lui, parce que sinon il te trimballe, il te balade et tu peux te laisser aller et vraiment bousiller toute une séance ou tout un exercice comme ça. Faut vraiment lui dire Larry, tu vois, allez vas-y, vas-y comme ça, et là il t'obéit quoi, mais sinon laisse tomber. Mais il est très gentil. Et maintenant c'est Léa qui va monter Stella à côté. Un bon départ, elle a un bon galop, je vais pas faire de cercle. Si, en fait je vais faire un cercle. Ok, j'en ai terrié qui part en cacahuète. Ok, ça c'est un cercle un peu ratatiné. Ok. Ok. Allez, ça va le faire là. On va faire un dernier pour la route et j'arrête. Ok. Et salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et là je suis dans le spa, alors j'ai les pieds dans le spa. Il y a moins que j'éternue pendant cette vidéo, parce que je t'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu la crève. C'est pour ça que je me suis mis les pieds au chaud là, tu vois l'eau elle est à 40 degrés. Je fais mec qui se la pète dans son spa et tout. Mais non, en vrai ils ont un spa, c'est cool tu vois. On l'a utilisé quelques fois et tout. Après t'y vas pas tous les jours parce que l'eau chaude, tu sais que l'eau trop chaude, tu sais que l'eau trop chaude c'est pas bon pour le corps. Genre, enfin, tu sais, il y a toute cette mode de prendre des douches froides et tout, et c'est vrai, tu vois. Enfin, moi, j'ai constaté un peu ces effets que. Oh, faut que j'arrête de dire un peu, putain. J'ai constaté les effets de l'eau froide, effectivement, sur le corps. Tu sais, que c'est vraiment différent, quoi. Ça t'apporte des nouveaux trucs. Attends, peut-être ça fait un petit peu trop de bruit là, comme ça, on va éteindre. Il va se calmer vite fait. Mais tu sais, moi, par exemple, en ce moment, enfin, je sais pas si tu le sais, mais j'essaie de me faire pousser les cheveux. C'est un de mes plus grands défis en ce moment. C'est d'avoir les cheveux longs au moins une fois dans ma vie, tu vois. Je pourrais dire, voilà, Egon, t'as été un spartiate. C'est bon, tu peux tout couper, tu vois. Attends, je vais juste recadrer la caméra. Enfin, tout ça pour te dire que l'eau froide, c'est pas mal. Et quand tu prends des, pas forcément que des douches froides, mais ce que tu peux faire, c'est, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je prends souvent des douches chaudes, tu vois, douches normales et tout. Et à la fin, une fois que je me suis tout rincé, shampoing et tout, tu vois, je suis tout clean. Mais je mets sur l'eau froide, comme ça je commence par la tête et ensuite par le corps et tout, ça descend partout et puis tu te retournes, comme ça tu fais, t'es sûr de t'être fait asperger à 360 degrés à l'eau froide et tu sors et tu te sens beaucoup mieux, tu te sens beaucoup plus réveillé et c'est génial l'eau froide, ça fait vraiment du bien. Tu sais, à l'inverse, quand t'es dans un bain comme ça à 40 degrés, quand tu ressors, t'es tout ramolli, t'es tout flip-flop, t'as la peau qui pend comme un vieux, tu sais, et ouais, c'est pas terrible. Et un autre truc que je voulais dire aussi, tu sais, en ce moment, c'est Black Friday dans pas longtemps. Alors moi, c'est pas un truc que je suis régulièrement, mais tu sais, c'est ce solde, c'est cette espèce de saison de semaine des soldes avant la période de Noël et c'est ça aux States normalement. Et je regardais juste, enfin, pour te dire, si tu connais pas, c'est un peu partout maintenant, c'est international. Et si t'as des trucs à t'acheter là, notamment, je regardais le Canon M6, tu sais, que j'ai envie de m'acheter, je crois qu'il est à 650 €, tu vois, donc il y a moyen que je l'achète. Il faut juste que je me penche un peu plus dessus. Il y a aussi le sac à dos là, le Gorok GR1, qui est à 250 au lieu de 300 €, tu vois. Tout ça c'est vachement intéressant et c'est un super moment je pense pour s'acheter des gadgets si t'as envie de t'en acheter ou si ça fait longtemps que tu penses à des trucs. En ce moment c'est le Black Friday, donc juste pour que tu le saches, tu vois.
Et sinon, bah écoute, aujourd'hui on va parler encore de choses sérieuses. Alors c'est marrant parce que, tu sais, je te disais, je t'ai souvent dit que je voulais pas trop faire le conseiller d'orientation et tout, et je voulais pas trop, je sais pas comment dire, j'ai pas trop envie de donner des conseils à des gens pour qu'ils changent leur destinée. Déjà d'une, j'ai pas envie d'être responsable pour eux, et de deux, je crois pas forcément je crois pas forcément aux conseils là-dessus parce que. Pour moi, toute histoire est personnelle et donc forcément, enfin, les conseils que quelqu'un va te donner, ils seront complètement, enfin, ils seront bien ou pas bien en fonction des gens, tout simplement, parce qu'on est tous différents, on vit des trucs différents, donc c'est assez chaud. Mais pourtant, je reçois plein de questions là en ce moment là-dessus et je me dis, bah tiens, c'est sympa, tu vois. On peut en parler. Tu sais, en ce moment, je réponds juste aux questions et ça me va, tu vois. Donc, écoute, aujourd'hui, je voulais te parler du problème que t'as pu, je voulais te parler du problème qu'on a souvent chez les lycéens et les gens qui font des études, les gens qui sont pas encore en train de bosser, tu vois. Si t'as pas trouvé ton job de rêve, il y a beaucoup de gens qui ont un problème, qui sont comme toi et comme moi, tu vois. Tu sais, parfois on se met dans un cursus, dans un truc où on n'est pas bien, tu vois. On sent qu'on n'est vraiment pas fait pour ça. Mais imagine au bac, enfin, t'as sans doute dû être dans cette situation-là, mais moi au lycée, je sais que j'étais pas, enfin, je me sentais pas à ma place, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans une filière où ils se sentent pas à leur place aujourd'hui, tu vois, et c'est un vrai problème. Et le truc, c'est que des fois, ça te prend tellement la tête parce que, enfin, tu sais comment c'est. Moi, j'étais en Clio, tu vois, donc en qualité logistique industrielle organisation, donc c'est des termes hyper techniques, tu vois, c'est pour bosser dans l'industrie. C'est des trucs avec des métriques, tu sais, donc t'as vachement de gestion des données et tout, des méthodologies, de modes de stockage et tout, FIFO, LIFO, enfin, je sais même plus les termes, tu vois. Enfin, c'est des trucs de ouf, quoi. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais tu sais, ce moment où t'es dans un cours et tu pipes pas un mot de ce que le mec te raconte, le prof te raconte, tu vois. Et le pire, c'est que c'est pas comme si t'avais pas envie de réussir, si tu veux. Mais c'est que littéralement, t'as l'impression que ton cerveau est pas câblé pour capter ce genre de truc, tu vois. Tellement, à tel point que t'as l'impression que c'est une autre langue, le bordel, quoi. Et que tu comprends rien, quoi. Moi, ça m'était arrivé en mécanique, tu vois. Vraiment en mécanique. Quand je faisais mon DUT, là, j'avais des cours de mécanique. Et je te jure, mais. Je me souviens de ces moments où je regardais le prof comme ça et je lui demandais de m'expliquer un truc, tu vois. Il m'expliquait et à la fin, je me sentais mal, tu vois. Je me sentais mal parce que je devais lui dire que j'avais rien compris, tu vois. Et que ça, je sais pas. C'est comme si pendant qu'il me parlait, il y avait tu sais, le bruitage qu'on met quand les gens ils disent des gros mots à la télé, genre tut, comme ça, tu vois. Mais c'est comme si c'était pareil, tu vois. J'avais rien pipé. Pas moyen de capter la mécanique, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours pas. Enfin, je connais toujours rien à la mécanique, mais tout ça pour te dire que, t'sais, tu vois, cette situation, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, et peut-être que toi aussi, tu vois, où on est on se fout dans des cases comme ça, ou dans des. Comment dire, dans des matières, dans des études qui nous conviennent pas, tu vois, tout simplement, et qu'on capte pas, tu vois. Alors, c'est pas de notre faute, parce que. Il faut essayer à un moment, tu vois, je veux dire, comment dire, c'est pas mauvais en soi d'être dans ces endroits-là, parce que quand t'es dans un an, tu vois, tu peux pas connaître le goût d'une tomate avant de l'avoir goûté, tu vois, enfin, c'est con mon exemple, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux pas savoir que tu peux rien piper à la mécanique sans essayer de comprendre et sans être dans un endroit où on parle de mécanique. Donc, quelque part, si, comment dire, tu peux pas savoir si faire une filière S au bac, c'est bien ou pas bien pour toi tant que tu l'as pas fait en quelque sorte. Tu me diras, c'est un peu idiot parce que si tu fonctionnes comme ça, tu feras que de chier dans la vie et ton seul succès, ce sera de te rendre compte que ce truc, c'était pas pour toi, tu vois, et t'as pas tort, mais éventuellement, enfin, tu sais comment ça se passe. Au bout d'un moment, force de tester des trucs, tu tombes forcément sur quelque chose qui te plaît, quoi. Mais le truc, c'est que il y a un truc que les gens font, non mais Buck n'importe quoi, no! Il y a un truc que les gens font dans ces cas-là, c'est que ils ont tendance à. Enfin, tu sais comment c'est, on se prend la tête, tu vois, on s'en veut. Et parce qu'on a l'impression qu'on met. Souvent, le truc, c'est qu'on a l'impression qu'on met vraiment notre vie en jeu. Et on a l'impression qu'il s'agit vraiment de notre destinée, notre succès, de notre réussite dans la vie qui va dépendre de ce choix foutu. Et on a l'impression que tant qu'on reste là-dedans, c'est pas bien, tu vois. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y a une. Comment dire? No, Buck, no, no. On pourrait penser que la meilleure façon pour résoudre ce genre de situation, pour se sortir d'un endroit dans lequel on se sent pas bien et dans lequel on capte rien, c'est de couper court tout simplement. Et c'est de dire, bah, du jour au lendemain, ok, ça me va pas, je quitte, tu vois. Le problème, c'est que
après coup, enfin moi je te parle de mon expérience parce que j'ai fait ça. Il y a des fois où j'étais dans un environnement où j'étais pas bien et j'ai quitté direct, tu vois. Et il y a des fois où j'étais dans un environnement pas bien, j'ai décidé de continuer. Et après coup, après expérience, tu vois, en regardant un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché, je me suis rendu compte que la plupart du temps, j'ai toujours bien fait de rester dans les moments où je suis resté, tu sais. Je vais te raconter une histoire, mais j'en ai jamais parlé de ça, tu vois. Mais quand j'étais en terminale, j'ai voulu très tôt de me trouver un job parce que mon objectif pour mes 18 ans, c'était de passer mon permis, tu vois. Je voulais avoir mon permis à 18 ans pour que ce soit plié. Enfin, je rêvais de pouvoir conduire une voiture et tout. Donc, mon objectif, c'était passer mon permis. Et j'avais une copine à l'époque, du coup, on passait le bac, tu sais comment c'est. C'était, je crois que c'était juin et tout. On passait le bac, donc on avait passé des semaines à réviser et tout. Et on avait cravaché de ouf pour le bac et moi en même temps il fallait que je trouve un job, tu vois. Et j'ai été super chanceux, enfin chanceux oui et non parce que j'avais cherché, mais j'ai eu de la chance de trouver de tomber dans un endroit où on m'a proposé un job, tu vois, et c'était signé. J'avais mon contrat pour les 2 mois, donc juillet et août, pour un contrat saisonnier de 2 mois. Comme ça j'allais me faire 2 000 euros et j'aurais eu de quoi passer mon permis, tu vois. Et il y a un truc qui s'est passé en cours de route, c'est que ça faisait même pas 2 semaines ou 1 semaine que je bossais, j'avais une copine à l'époque, tu sais, et c'était assez dur pour moi. Enfin, je sais pas quelle était ta première expérience de travail, mais bon, moi c'est pas un coup, tu sais, mais tu découvres un autre monde et c'est pas forcément super facile, surtout quand c'est le premier été que toi tu bosses en fait, et que tous tes autres potes profitent vachement de leur été, tout simplement. Toi tu bosses et machin. Donc j'étais à fond dans mon truc, je voulais être bien, tu vois, je voulais acquérir toutes les compétences, je voulais les aider, tu vois, je voulais être quelqu'un de bien et être un atout pour eux. Et du jour au lendemain, je me suis fait larguer, je l'ai pas vu venir, tu vois. Et ça m'a mis vraiment le moral dans les chaussettes. Tu sais, à l'époque, c'était la femme de ma vie. Enfin, tu sais comment c'est quand t'es dans une relation, tu vis autour de ça, il y a que ça, tu vois. Le truc, c'est que j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais j'ai fait des erreurs, il y a des trucs que j'aurais pas dû faire, des trucs que j'aurais dû faire, et bon, voilà, c'est fini, tu vois, elle a décidé d'en arrêter là. Et moi, j'en ai beaucoup, beaucoup chié, tu vois. Et je me souviens de ce moment où cet après-midi où elle m'a annoncé que c'était fini, et j'avais perdu pied, tu vois. J'avais envie de m'écrouler comme jamais, j'avais jamais senti cette sensation là et le premier truc que je me suis dit c'est que ok, je vais quitter mon job et je vais partir avec l'argent que j'ai gagné jusque là et je vais me faire des vacances solo, tu vois, en mode je vais partir en Espagne, aller sur les plages et faire une petite retraite un peu psychologique pour me remettre de tout ça. Et il y a un truc que ma mère m'a dit à l'époque, parce que du coup j'ai pu en parler à ma mère, elle m'a beaucoup aidé à ce moment-là, tu vois. Elle m'a dit un truc, je me souviens, cet après-midi, elle m'a dit: Egon, la dernière chose que tu fais, c'est de quitter ton job. Peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel état tu vas, peu importe à quoi tu ressembles, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu repars, peu importe, tu vois, je m'en tape, mais tu continues à aller ce job parce que ça va t'occuper, tout simplement, ça va t'occuper l'esprit. Et elle a eu super raison, tu vois. Et du coup, j'ai écouté ses conseils, je suis resté pendant les 2 mois. Je me souviens, à des moments, je coupais des oignons, tu sais, je faisais des sandwichs, je fabriquais des sandwichs et j'avais envie de chialer à l'intérieur de moi. Et à chaque fois, je proposais de me mettre sur les oignons, comme ça me donnait un prétexte de chialer, tu vois, alors qu'à l'intérieur, j'avais mal, tu vois. Et je me souviens de cette époque, mais j'étais resté, tu vois, même si j'avais envie de partir. Et je te dis tout ça parce que, je sais pas, peut-être que toi t'es dans une filière ou dans un job qui te plaît pas en ce moment, tu vois. Mais j'aimerais te dire que il y a d'autres solutions que ça. Et tu sais, quitter, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les gens qui se sentent mal parce qu'ils ont l'impression de foirer leur vie dans la filière dans laquelle ils sont, dans le milieu dans lequel ils sont, la plupart du temps, tu sais comment c'est. On a l'impression qu'il faut bouger parce qu'on a l'impression qu'il s'agit de notre vie entière, tu vois. Mais en fait, on se trompe complètement parce que quand ils pensent, c'est jamais que 7 ou 8 heures que tu donnes par jour, tu vois, dans ta vie, quoi. Et à côté, t'es libre en quelque sorte de faire exactement tout ce qui te plaît, tu vois. Donc je suis pas en train de te dire qu'il faut sacrifier son temps et qu'il faut rester dans un endroit où on se sent pas bien. C'est pas ça que je veux dire, tu vois. Mais si t'es dans une situation comme t'es dans une filière au bac par exemple, t'es en série S, tu vois, et tu te sens pas bien, tu captes rien et tout, tu vois,
tu peux pas lâcher, tu vois. Tu peux pas arrêter ton bac, il faut que tu l'aies, tu vois. Je veux dire, il faut que t'aies ton bac, que t'aies mention, pas mention, on s'en fout. Ce que tes parents ils veulent, on s'en fout, tu vois. Mais ton bac, il faut que tu l'aies. Donc tu peux pas quitter le bac, tu vois ce que je veux dire. Il va falloir que tu prennes sur toi, il va falloir encaisser, tu vois. Dans la vie, des fois, faut encaisser. Mais encaisser, ça veut pas dire seulement ouvrir grand la bouche et avaler en disant merci, tu vois. Encaisser, ça veut dire aussi que tu encaisses ce mauvais truc, mais tu deviens responsable de toi-même parce que c'est aussi une question de responsabilité. Quand on se sent pas bien dans un endroit, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de partir, et on se dit que quand on partira et que si on quitte toutes nos études pour partir en voyage, tout de suite, on se sentira mieux et tout. Mais c'est pas vrai, tu sais. Le premier pas pour se sentir réellement mieux, c'est pas de tout plaquer, si tu veux, mais c'est de savoir encaisser, c'est de savoir assumer en quelque sorte, tu vois. Et j'irai encore même plus loin, mais comment dire, si t'as envie de, tu vois, si dans ta vie t'as envie de faire des trucs qui toi te passionnent, qui des trucs qui résonnent selon tes mots, tu sais, si t'as envie de vivre comme toi tu l'entends un petit peu, tu vois, faire ce que t'aimes, voir les gens que t'aimes, aller où tu veux, quand tu fais, etc. Il faut devenir responsable de ses choix, tu vois. Et je te dis ça, je suis vraiment pas un gourou, tu sais, j'ai l'impression d'être ton daron de te dire ça, mais crois pas, tu vois, m'en veux pas si je te dis ça. Vraiment, moi, aujourd'hui, je le suis pas. Je suis pas responsable de tous mes choix, tu vois. J'ai appris des choses, mais voilà, je suis un minot. Mais il faut devenir responsable de ses choix. Et tu sais, quand tu veux faire ce que t'aimes dans la vie, ou quand tu veux changer de direction, quand tu veux faire un tournant dans ta vie, dans ta carrière, quoi que ce soit, il faut devenir responsable, tu vois. Et devenir responsable, ça veut dire que faut aussi encaisser, faut aussi savoir jauger ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tu sais, souvent les décisions, comment dire, souvent les fantasmes de partir très loin et de voyager, de prendre un van et tout, et que tout ira mieux plus tard. Quand tu as une idée comme ça dans ta tête, il faut vraiment que ce soit le signal d'alarme un peu rouge, parce que peu ou pas, tu vois, parce que tu peux tout à fait l'expérimenter. Moi, c'est ce que j'ai fait en Australie, tu te souviens, c'est les premières semaines quand je suis arrivé en Australie, que je suis arrivé à Sydney. J'ai même fait une vidéo à ce moment-là. Je suis arrivé devant l'opéra de Sydney, je me disais que j'avais fini mes études, je partais de la France, un pays que je commençais à haïr, et que je voulais faire des vidéos en Australie, que ça allait être cool et tout. Et une semaine après, je me retrouve à l'opéra de Sydney, et je m'arrête comme ça, et je me dis, ah ouais, c'est tout, il y a rien d'autre, tu vois. Tu sais, on a l'impression que tout va être plus beau, mais c'est pas vrai, tu vois. Et quand t'as ces fantasmes-là, tu peux le tester une fois, tu peux le mettre en pratique, tu vois, tu peux voir, tu peux faire, va au bout une fois dans ta vie, va au bout de tes fantasmes de ouf, fais vraiment ce que tu as envie de faire, et vois ce que ça donne à ce moment-là, tu vois, et tu te rendras compte que t'es pas plus heureux que ça, et que c'est vraiment autre chose qui te manquait. Et donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, je te donne juste une petite astuce, mais il y a un autre moyen de, comment dire, de un peu reprendre le contrôle de sa vie, même tout en restant dans un endroit où tu es forcé de rester en quelque sorte, tu vois. Parce que tu sais, des fois, tu as besoin de rester dans ton job parce qu'il faut que tu gagnes quand même de l'argent pour payer le loyer et tout. Il faut que tu restes, faut que tu ailles en cours pour avoir ton bac et tout. Donc pendant ce temps-là, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de te mettre à te renseigner sur des sujets, tu vois, de te mettre à te poser des questions sur ce que t'aimes, et d'essayer des trucs. Et moi, pour moi, c'est vraiment la meilleure solution aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment ma philosophie de vie aujourd'hui de, comment dire, de dès que j'ai du temps pour moi, comment dire, de enjoy myself, enfin, j'arrive pas à le dire en anglais, mais profiter de moi-même, tu vois, et vraiment prendre du temps pour creuser dans ses passions et m'intéresser à des trucs, peu importe, tu vois, quoi que ce soit, et se laisser aller à fond, parce que ces moments-là, c'est les tiens, tu vois, c'est des moments que tu peux même le voir comme une sorte de récompense après, tu vois, 3 heures de cours qui t'ont saoulé, ou un shift de 8 heures. À la boulangerie, au magasin, ou à ton magasin de vente de prêt-à-porter, tu vois. Tu peux même te le donner en récompense. J'ai fini une super journée, maintenant je vais pouvoir aller sur internet et me mettre pendant 3 heures à à regarder des vidéos sur des trucs qui me passionnent et tout, et à trouver des trucs qui m'intéressent. Tu vois, développer une sorte de, comment dire, de passion de côté, tu vois. Et pas tout vouloir mettre dans le même panier au point de tout vouloir quitter, de se barrer en achetant un van et tout, mais se trouver, tu vois, se créer une petite bulle comme ça à côté. Pour commencer à, comment dire, pour commencer à développer des compétences déjà, à développer des centres d'intérêt, à développer une sorte de petite flamme, tu vois, un petit feu que tu vas pouvoir beaucoup plus que tu vas pouvoir entretenir en fait à tout jamais, parce que ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever, tu vois. C'est pas une question d'études, c'est pas une question de contrat de travail, c'est pas une question de temps ou quoi. Ça, c'est ton temps personnel, il n'y a personne qui peut te l'enlever, tu peux le faire partout, tu vois. Tu peux t'acheter des livres, tu peux regarder des vidéos, tu peux parler avec des gens, tu peux écrire, tu peux dessiner, tu peux faire du sport, tu peux faire n'importe quoi. Mais développe des petites compétences qui te plaisent comme ça.
Et tu sais, quand tu lis des livres, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Born to Do It, je crois. C'est né pour faire ça, et ça parle de son job de rêve. On en reparlera, tu vois, de ça, parce que je m'intéresse à nouveau au sujet, parce que du coup, ça fait un bail que j'en avais pas parlé, et j'ai pu prendre du recul. Donc, tu sais, à chaque fois, quand tu replonges dans un truc que t'avais laissé un peu de côté pendant longtemps, t'as une nouvelle perspective, t'as une nouvelle vue, c'est beaucoup plus frais, et t'as envie d'en reparler, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment mon conseil. Je vais pas t'en parler pendant 3 heures, sinon ça va prendre trop longtemps, mais tu vois, ça, c'est une question que quelqu'un encore m'a posée sur Facebook, et si tu regardes cette vidéo, j'espère que je t'aurai répondu, mais c'est super important de se créer cette petite bulle comme ça, de devenir responsable et apprendre à encaisser, tu vois, exactement comme quand moi je l'ai fait et que je me suis fait larguer et que ma mère m'a forcé à rester là-dedans, et elle avait absolument raison, parce que ce premier job, ça a été le premier job qui m'a donné l'expérience et l'envie de... Qui m'a forgé pour faire absolument tout ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, avec des si on refait le monde, mais je sais pas si j'avais quitté ce job-là, je sais pas si je serais parti en Australie, je sais pas si j'aurais fait des vidéos, je sais pas si, tu vois. Donc, être responsable et apprendre à encaisser, c'est je pense que c'est une des facettes de l'adulte, tu vois. C'est ça, quand t'es adulte, t'apprends à encaisser, c'est aussi faire des trucs que t'aimes pas forcément tout le temps, tu vois. Même si l'idéal, c'est d'avoir une vie dans laquelle t'aimes ce que tu fais à peu près tout le temps, mais bon, c'est jamais 100%. Et de l'autre côté, se développer une petite bulle, une petite flamme dans laquelle tu vas pouvoir te plonger et t'auto-passionner. Et on va en reparler tout ça, mais j'espère que t'as saisi l'idée, tu vois. Et voilà, donc ça, c'est une question que quelqu'un m'a posée sur Facebook et je suis super heureux d'avoir pu y répondre. Et encore une fois, hein, si tu vois, si t'as ce genre de questions-là et tout, hésite pas à me les poser sur Facebook et tout. Je sais pas si je pourrais y répondre, tu sais, genre à chaque fois je trie un petit peu les questions et tout, mais tu peux tout à fait me la poser. Si t'as pas envie qu'on en parle, on en parle pas en vidéo, tu peux tout à fait me le dire, mais voilà, sache que je suis ouvert, il y a la page Facebook juste en dessous, j'ai ouvert les messages privés, donc tu peux me parler directement, je vais recevoir ton message, je vais le lire, tu vois. Je vais te répondre en personne, il n'y a pas d'intermédiaire ou quoi, et on pourra en parler, quoi. Donc moi, d'ici là, je vais te laisser, on va au resto ce soir, tu vois. Je vais aller jouer un petit peu avec Buck et j'espère que ça t'aura aidé. Je te dis à la prochaine, mon ami, on va en reparler de tout ça, t'en fais pas, je te parlerai du livre et tout. Et check le Black Friday si t'as des gadgets à acheter, une petite passion à développer et que t'as besoin d'un peu de matos ou quoi. Black Friday cette semaine, moi je pense que je vais m'acheter la caméra, tu vois. Allez, je te dis à la prochaine, mon ami, ciao.